L'obscurité menace l'espérance. L'obscurité des guerres, de l'exclusion, de la précarité, de la solitude. Comment persévérer dans l'espérance pour atteindre, en dépit de la nuit, que le jour nouveau se lève? Seigneur, il nous faut ta lumière, celle qui transforme ces nuits en jours et nous tienne éveillés en attente. Ô Christ, toi qui es venu et qui viens, tu es la lumière qui nous empêche de tomber dans l'obscurité. Éclaire notre chemin et renouvelle notre attente. Amen. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as fait abonder leur allégresse, tu as fait grandir leur joie. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on jubile au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton à son épaule, le gourdin de son chef de corvée, tu les as brisés, comme au jour de Madian. Il y aura une souveraineté étendue et une paix sans fin pour le trône de David et pour sa royauté, qu'il établira et affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. En cette nuit particulière, nous sommes venus, nous sommes là, ou plutôt c'est toi, Seigneur, qui es là et qui es venu. Au cœur de cette nuit, de notre obscurité, de nos aveuglements, nous croyons que tu viens mettre ta lumière. Non, nous ne rêvons pas. En cette nuit de Noël, tu viens vivre parmi nous et tu nous donnes ta lumière pour qu'elle brille sur toute la terre et embrase notre cœur. Amen. Alors, bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous dans cette maison de prière pour cette nuit, pas comme les autres, en cette nuit de Noël. Merci à vous tous qui êtes présents, merci à tous ceux qui vont intervenir dans cette célébration. Et puis, merci à mes collègues Vincent Schmitt, Ludivine qui est ici. Pardon. Si je commence à me tromper, avec tous les... avec Sandrine, on va commencer dans le bon ordre. Sandrine Landau qui est ici et Amandine qui est ici, Meyer Sommer, qui nous ont préparé ce culte. Certains parmi nous ce soir vont vivre une fête de famille tout à l'heure, heureuse, joyeuse, et d'autres éprouvent plus durement que d'habitude ce soir la solitude, ou l'absence d'un être aimé, ou la fragilité de la vie. Et c'est à tous que nous soyons heureux
ou troublée, que le Seigneur vient offrir son amour et sa paix. Oui, cette paix du Christ nous habite et rayonne par nous vers tous ceux que nous rencontrons. Alors commençons tout de suite en nous souhaitant les uns les autres un Noël béni, en échangeant déjà un geste de paix, au moins avec ceux qui sont juste là, autour de vous. Que le Seigneur vraiment nous donne de vivre un temps de Noël béni. D'Ésaïe au chapitre 11. Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement. Esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Et il lui inspirera la crainte du Seigneur. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits, même gîte. Le lion comme le bœuf mangera du fromage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, le jeune enfant étendra la main. Il ne sera fait ni mal ni destruction sur toute ma montagne, montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur comme la mer que comblent les eaux. Le Seigneur venait et il ne le savait pas, les grands de ce monde. Le Seigneur venait et il ne le savait pas. Mais les autres savaient, ceux qui avaient un cœur d'enfant toujours en attente. Autour d'une mangeoire comme berceau, entre ciel et terre, Dieu s'offrait à nous. Le Seigneur vient, il est là. Regardez, tout devient possible, car Dieu a mis sa force dans la fragilité. À Noël, un monde est à naître, car un sauveur est né.
Réjouissons-nous car Dieu nous rejoint. Il vient au milieu de nous. Amen. Qu'il y avait naissance cette nuit-là. Pour nous faire croire à ce qui peut jaillir du ventre vieilli de la terre. Heureusement qu'il y avait l'étoile cette nuit-là. Pour nous faire croire à ce qui peut percer les ténèbres recouvrant la terre. Heureusement qu'il y avait les bergers cette nuit-là. Pour nous faire croire à l'importance de ce qu'on oublie dans les arrières-campagnes. Heureusement qu'il y avait les mages cette nuit-là. Pour nous faire croire à la joie de trouver après tant de recherches. Heureusement qu'il y avait Joseph cette nuit-là. Pour nous faire croire à la confiance qui accueille le présent. Heureusement qu'il y avait Marie cette nuit-là. Pour nous faire croire à la puissance de la tendresse. Heureusement qu'il y avait l'enfant cette nuit-là. Pour nous faire croire que Dieu vient loger parmi nous. Heureusement qu'il y avait Dieu cette nuit-là, qu'il y a Dieu aujourd'hui. Pour nous faire croire en notre humanité aimée. Amen.
Nous allons vous raconter l'histoire de Plume. Plume est un petit ange chétif, tout petit, plus pâle qu'un nuage. Plume est sans doute le cadet le plus petit de tous les anges. Je lui donne. Il suit l'archange Gabriel partout et devant son air maussade, il demande « Pourquoi tu fronces toujours les sourcils ?» Pressé, Gabriel lui répond « J'ai des soucis d'archange. » Il ne peut tout de même pas dire à voix haute ce que tout le monde voit tout bas. Dieu est malheureux. Il cherche depuis une éternité un moyen de se mettre à hauteur d'humain. Mais il n'est jamais satisfait. Alors Gabriel, pour faire diversion, suggère « Monseigneur, voudrait-il écouter de la musique ?» Et les autres anges ajoutent « Votre Seigneur voudrait écouter la musique des humains. Votre Seigneur voudrait danser autour des feux des humains. Votre Seigneur voudrait sentir ce que sentent les humains. Votre Seigneur... » Et Plume tente de sa petite voix cristalline « Voudrait être quelque chose comme un humain ?» Gabriel lui lance un regard de feu et vient s'interposer entre son petit apprenti et Dieu. Mais il est trop tard. Une étincelle éclaire déjà le regard du Créateur. « Qu'as-tu dit, petit Plume ?» Plume baisse les yeux devant la colère de Gabriel et répète « J'ai dit être quelque chose comme un humain ?» Et dans un vacarme de joie qui soulève les anges de leurs nuages, Dieu s'exclame « Mais voilà une idée, mon ami. Voilà qui est dit. Je vais me faire humain. » L'archange étale l'envergure de ses ailes pour barrer le passage à de nouvelles dînées saugrenues. Et il s'offusque. « Vous n'y pensez pas, Majesté. À partir de maintenant, je ne pense qu'à ça. Et à bien y réfléchir, j'y pense depuis l'éternité. » Et Dieu, n'ayant de secret pour personne, décida d'une grande fête céleste pour partager avec les anges la nouvelle de son humanité. Le voilà donc qui sautille tel un enfant pour aller saluer ses convives. Et cette euphorie divine renforce le regard réprobateur de Gabriel. Pour se débarrasser de l'archange rabat-joie, Dieu lance. À en croire le soleil, vous allez vous mettre en retard, Gabi. Diantre, vous avez raison, Majesté. Et Plume, qui traîne toujours dans les ailes de l'archange, demande en retard pourquoi ? Il ne manquait plus que lui, pense Gabriel, qui tâche cependant de rester poli à voix haute. Pour annoncer à une toute jeune femme, pas même mariée, qu'elle va enfanter le Fils de Dieu. Et qu'il ne faudra pas s'y tromper s'il ressemble simplement à un nouveau-né. Voilà. Et il s'envole en direction de la terre. Vous allez avoir un bébé, ma majesté ? Interroge Plume avec un sourire dans les yeux. Et Dieu éclate d'un rire sonore qui fait grésiller les premières étoiles du soir. En quelque sorte, mon jeune Plume. Et on pourra le voir, dites, s'il vous plaît. Plume joint le bout de ses ailes en signe de supplication. Alors Dieu l'enveloppe de sa voix chaude pour lui faire la plus belle promesse qu'on ait jamais faite à un ange. Tu iras voir l'enfant et tu feras même mieux. Tu chanteras dans le cœur des anges, tu chanteras aux humains que Dieu vient parmi eux et remet son destin entre leurs mains. Le lendemain, Gabriel rentre harassé, un petit sourire attendri sur le coin de ses lèvres. Sa mission accomplie. De ce jour, les anges travaillent pour se mettre à l'unisson. Chaque matin, Plume éclaircit sa voix, puis se place face au soleil pour faire rosir un peu son teint. Il arrive en avance à chaque répétition. La veille du grand jour arrive et Plume est inquiet. Si sa voix déraillait, s'il éternuait pendant le silence final et s'il se perdait en chemin, Plume se retourne dans tous les sens, compte les moutons qui jouent à saute-nuage, et ce n'est qu'au petit matin qu'il se laisse emporter par le sommeil et fait un affreux cauchemar. Il se retrouvait devant l'enfant Dieu, déplumé comme un poulet. Il se réveille le cœur battant. Mais
commence-t-il à bégayer. Tous les nuages sont vides autour de lui. Catastrophe, ils sont déjà tous partis. Plume a toutes les raisons du monde de s'effondrer, c'est certain. Mais peut-être n'est-il pas trop tard pour les rattraper. Le voyage est long, mais Plume ignore la fatigue. Et lorsqu'il aperçoit l'étoile qui vient de s'immobiliser, il pique tout droit vers la nuée d'anges et arrive tout juste pour entendre les dernières notes du chant si souvent répétées. Plume se fige, pétrifiée, et les autres virevoltent, papillonnent, rient et s'ébrouent. Gabriel aperçoit la mine défaite de son jeune apprenti et il réalise qu'il ne l'a plus revu depuis la veille. Plume, je suis désolée, tellement désolée. Confesse Gabriel en baissant les yeux devant cette moitié d'ange à qui il ne voulait pas faire de mal. Il arrive aux archanges de faire de grosses bêtises. Plume, lui, voudrait juste pouvoir pleurer, loin de la joie des autres, loin de tout ce qu'il a manqué. Un souffle frais le pousse dans le dos vers une petite étable, perdue dans la campagne. Plume part s'y réfugier. À travers la chaume parsemée de trous, Plume aperçoit un nouveau-né, allongé dans la mangeoire des animaux. On s'agite autour de lui. Une femme se penche, un homme s'approche et murmure. J'espère qu'il n'a pas froid. Plume ne comprend pas bien. Il regarde partout autour de lui. La nuit est vide, les anges sont partis. Des collines à perte de vue, quelques moutons et voilà tout. S'il y a un enfant quelque part, il est ici. Mais se peut-il que ce soit lui ? Alors Plume entend le rire de Dieu qui fait scintiller les étoiles. Mais lui ne trouve pas ça drôle du tout et il renifle. S'il est pauvre à naître dans une étable, raison de plus pour ne pas manquer l'occasion de chanter sa gloire. Alors Plume se met à pleurer. Ses larmes mouillent ses ailes. Les plumes s'en décrochent. Une larme, une plume. Ainsi s'écoule lentement le chagrin. Au petit matin, Plume est tout déplumé. Et il s'endort épuisé. Bientôt l'étable, en dessous du petit ange endormi, on entend la voix de la femme, juste en dessous. Joseph, Joseph, viens voir notre petit. Il est couvert de plumes, regarde comme il dort bien au chaud dans ce duvet. Il dort comme un ange. Qu'il soit béni, celui qui a fait cela. Et puis, pour vous souvenir de ce conte de Marion Muller-Collard, vous pourrez à la sortie aller remplir un petit sachet avec quelques plumes d'ange que vous pourrez installer dans l'étable, dans la crèche que vous avez à la maison, sous le sapin, sur le sapin, où vous voulez. Mais mettre comme ça quelques petites plumes d'ange pour se rappeler de cette douceur, de cette naissance.
cette nuit, même au cœur de la nuit, Dieu entre dans notre vie pour nous faire entrer dans la sienne. Admirable échange. Au cœur de la nuit, un cri se fait entendre. Une lueur perce les ténèbres. La longue attente prend fin, mais c'est l'inattendu. On espère le Tout-Puissant et Dieu nous envoie un enfant. On espérait l'extraordinaire et Dieu vient dans le quotidien. Saurons-nous l'entendre, cette bonne nouvelle ? Saurons-nous faire ce pas de côté pour regarder notre quotidien différemment ? Accepterons-nous d'être déroutés ? Cette nuit, Dieu nous fait signe. Dieu vient à notre rencontre. Il vient tout près, juste là, à côté de nous. Et je vous invite tous à vous lever pour dire ensemble la prière qui fait de nous les enfants d'un même Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
voilà, notre culte touche à sa fin. Les anges chantent des mots que chacun peut comprendre. Ils chantent qu'un enfant vient de naître sur la terre et qu'avec cet enfant, c'est Dieu lui-même qui est venu partager notre condition. Ils chantent qu'en cet enfant, c'est le salut de l'humanité qui se manifeste et se dévoile. Mais, comme le rappelait le réformateur Martin Luther, il ne sert à rien que le Christ soit né il y a 2000 ans dans une étable quelque part du côté de Bethléem, s'il ne naît aujourd'hui même dans ton cœur. Eh bien, je forme des vœux et je prie Dieu pour que chacun et chacune d'entre vous puisse, ce soir, dans les jours qui viennent, voir cette naissance intérieure à laquelle nous sommes tous appelés, que vous puissiez rencontrer aussi ce visiteur qui toujours va. Et je vous prie de bien recevoir maintenant la bénédiction de la part de Dieu, que l'amour de Dieu notre Père, la grâce manifestée en Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun et chacune d'entre vous. Allez dans la paix de Noël. Amen.